allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça va être un haul nose. Figurez-vous que je ne suis pas allée dans mon magasin nose depuis 2 ans, 3 ans, je ne sais même plus, je crois que ça va faire 3 ans. Chaque fois que j'y allais, trop de bazar, il n'y avait jamais rien. Et là je pense réellement, j'ai pas reconnu les équipes, donc je pense que les équipes ont changé. Et il y avait un patron dans le magasin qui mettait lui aussi en rayon. Et franchement, c'était propre. C'était bien rangé. Tout était bien par secteur. Vous savez, les vêtements avec les vêtements. Les produits de beauté avec les produits de beauté. Enfin, la bouffe avec la bouffe. Alors d'habitude, vous savez, tout est mélangé. C'est un bazar infini. Il y a des choses cassées. Là, franchement, dans ce nose. Donc, c'est le nose à Anzin. C'est juste à côté de Valenciennes. Je suis fort blanche là, non? C'est le soleil. Ah, ça va un petit peu mieux, j'ai baissé mon volet. Donc je suis allée chez Nose et je ramène tout ça. Donc j'ai fait de belles découvertes. Alors ça c'est parce que on va pique-niquer avec Océane. Donc j'ai pris des chips Lay's. C'est des classiques 100% pommes de terre françaises nature. Et c'est à 85 centimes je crois. Je vais vous dire ça, j'ai le ticket. Alors les chips, les chips Pago crève 1,29€ et il y a 325 grammes, c'est bien. Ensuite, parce qu'Océane adore ces céréales et que j'en trouve rarement au chocolat noir, donc c'est des trésors au chocolat noir. 1,49€, très très bon plan et c'est un 410 grammes, donc top. Ensuite, j'ai pris des Pago, donc j'en ai pris plein, 65 centimes. J'ai pris à la pêche. Et ça c'est quoi? Pêche aussi, donc j'en ai pris 2. Ça c'est quoi? Ah, j'ai pris myrtille aussi, 65 centimes. Encore à la pêche, je crois que j'ai pris que pêche et myrtille. Parce que j'adore. Je sais pas vous, mais je trouve que Pago c'est les meilleurs jus de fruits, mais ils sont super chers en magasin normal. Myrtille et pêche, donc 65 centimes. Et j'en ai pris 6, 3 de chaque. Ensuite, parce que même chez Action, c'est cher. J'ai pris des crèmes pour les mains. Comme ça. Donc, Intensive Nutrition. Au beurre de karité. 79 centimes, autant vous dire. Donc, j'en ai pris 2. 30 ml chacun, c'est des full size, c'est top. Et franchement, il y en avait un d'ouvert. Ça sent très très bon. Vous voyez, ils sont tous neufs. Donc, super bon plan. À 79 centimes. Après dans le... Ah ça y est, maintenant je suis toute... On réouvre un petit peu le volet. Franchement dans le magasin il y avait des arrivages de ouf. Il y avait énormément de chaussures. Des chaussures vegan, il y avait marqué dessus. C'était des baskets. Il y avait des escarpins. Il y avait énormément de vêtements de marque. Énormément de... Pour les hommes, des chemises, des pantalons pour les femmes. Il y avait énormément de vêtements qui ressemblaient très pour très à la marque Desigual. Mais c'était pas la marque Desigual. Énormément de lingerie, Playtex, des choses comme ça. Et je vous assure, c'était hyper bien rangé. Il y avait énormément de couettes, des draps housses, il y avait des thés d'oreiller, il y avait énormément de choses. Il y avait énormément de vêtements pour enfants, naissance jusqu'à 14 ans, je crois. Après, bon, voilà, il y avait... je pense qu'ils ont été dévalisés parce qu'il y avait des trous dans les rayons, mais ça c'est pas de leur faute. Il restait que des grandes tailles, donc moi en 40, on en met 2 dedans, comme moi. Donc c'était pas du tout ma taille, mais il y avait des trucs sympas franchement. Et s'il y avait eu ma taille, je pense que je me serais pris. Il y avait une jolie jupe en jean, vous savez, pour l'automne un petit peu, qui arrive pile au-dessus du genou en mettant ça avec des bottes. C'est très joli. Malheureusement, il n'y avait pas ma taille, mais il y avait des super escarpins aussi, ni trop haut ni trop bas. Un petit peu compensé, vous savez, une semelle compensée sur le devant, noir, des couleurs d'automne. Il y avait des beaux sacs aussi, en toile, en simili-cuir, des grands, des petits. Enfin, il y avait vraiment énormément de choses. Il y avait énormément d'arrivages pour le bricolage, des vis, des tournevis, des choses comme ça. Il y avait moyennement, alors ça c'était pas des trucs pour la rentrée, donc il y avait des cahiers, des classeurs, des crayons, des stylos, des gommes, enfin des plein de trucs comme ça. Ensuite, parce qu'Océane est fan de DVD en ce moment, donc elle a le 1, je lui ai pris Madagascar 2, au prix incroyable de 99 centimes, même sur une braderie, je les paye pas aussi, moi je les paye, mais paye pas ce prix. Et ça y est, je suis toute blanche, donc j'ai refermé mon volet. Ensuite, je lui ai pris Kung Fu Panda 3,
parce qu'elle a le 1 et le 2 et il m'a coûté 99 centimes aussi, un œuf dans l'emballage, elle va être contente. Ensuite, je lui ai pris Fantastica, la grande aventure, édition limitée. Écoutez, l'histoire au dos, donc c'est celui-ci, avait l'air pas mal. C'est une aventure magique dans un monde fantastique. Briard et Bramble, les deux frères ours, vont se retrouver lancés dans une formidable aventure à travers la Terre mystique de Fantastica. Avec l'aide de Coco, un robot réfuté, une guerrière intrépide, ils vont devoir sauver un artefact d'un groupe de voleurs surpuissants. Donc écoutez, 99 centimes, elle aime bien, si elle aime pas, je fais la braderie de Soltin, et ça y est. Et voilà, je ne sais plus être trop sombre. Je vous dirais que le 11 septembre, je fais une braderie pour vider un peu ma cave et mon grenier. Je revendrai sur la braderie si elle aime pas, puis voilà. Donc 99 centimes. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc c'est de la sauce barbecue à 1,25€. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en fait, elle est made in France, fabrication en Ariège, sans sucre ajouté. Donc, il marque pas d'OGM, sans gluten, et que c'est vegan, et c'est bio. Je vous le montre. C'est top, top, top. Donc, 1,25€, sauce barbecue bio fumée. Alors, dedans, il y a du jus concentré de pomme, du jus concentré de tomate, du sirop de date, de la moutarde, du vinaigre d'alcool, de l'eau, du sel, du vinaigre balsamique, sel, épices, oignons, ail. Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Écoutez, j'adore la sauce barbecue. Et c'est la marque Senchu, naturel et délicieux. La passion de la qualité depuis 1891. Mais écoutez, je vais tester. Je vous dirai, j'adore la sauce barbecue. Après, il y avait du ketchup. Mais je sais pas, il m'a pas donné envie. Ensuite, j'ai pris ça, donc ce sont des housses. Alors, figurez-vous que j'en avais, mais avec le temps, elles sont super vieilles. Je les avais achetées à Action il y a fort longtemps. Vous savez, c'est des housses sous vide. Donc, vous mettez vos couettes, vos manteaux. Il y a un trou dedans. Vous mettez votre aspi et ça aspire. Donc, il y en avait énormément. Donc, vous avez trois tailles, 100 par 70, 80 par 60 ou 60 par 40. Donc, moi, j'ai pris 100 par 70. Et elles m'ont coûté 1,45€. Donc j'en ai pris 4 paquets parce que je vous dirais que donc j'ai pris 100 par 70. J'ai pris 100 par 70. On dirait qu'elles ont des dessins. Celle-là, je dirais qu'il y a des fleurs. Bizarre, hein, c'est pas du tout la même taille. Bref, c'est le même prix, 1,45€. Ah si, il y a des fleurs, je l'ai pas vu. Et après, j'ai pris... Ah ben, c'est la même taille. 100 par 70. 1,45€, très bon. En fait, j'avais pris 3 crèmes pour les mains. Donc, une troisième à 79 centimes. Ensuite, et ça, c'est le méga bon plan. Alors, à la base, chez Noz, j'y étais allée pas du tout pour ça. J'y étais allée pour des étagères. Bref. Et on sait très bien que chez Noz, on y va pour un truc et on revient à d'autres trucs. En même temps, j'ai pris que des trucs utiles, des trucs qui se mangent, des trucs pour ranger. Bon, les DVD pour Océane, mais à ce prix-là. J'ai trouvé chez Noz des vernis de la marque Hopi à 4,99€. Oui, oui. Donc, je vous montre, j'en ai pris 4, 7. Même en vente privée, même en sol, on ne les a pas à ce prix. Donc, je vais les remuer. Donc, Hopi, donc c'est un full size comme ça. Je vous montre, 4,99€. Donc, ça. C'est la référence This Berry Daring. C'est en rose, quelque chose. Oui, vous entendez sonner, c'est le Cake Factory, ça me dit que c'est cuit. Ensuite, j'ai pris le Pompeii Purple. Je vous dirais que c'est un violet rose. Donc, il est comme ceci. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Donc, voilà. Si on compare, vous voyez, ils ne sont pas du tout les mêmes couleurs de rose. Ensuite j'ai pris donc comme ça, il n'est pas tout à fait rouge, il est rouge brique, rouge marron, 4,99€ aussi. Et ça c'est la référence I love you just be Costco. Ensuite j'ai pris I manicure 4 bits, donc c'est un violet qui est comme ceci, je vais le mélanger. Donc c'est un beau violet, hein, 4,99€ aussi. J'ai pris, alors là je vous dirais c'est un gris,
pailletée. Regardez. Riz pailleté comme ça. Donc 4,99€. Celui-là, c'est le Lucerne Look Marvelous. J'ai pris un violet foncé. À ce prix-là, après il y avait d'autres couleurs, il y avait jaune, il y avait, mais j'aimais pas du tout. Hopi to the party, donc là c'est un violet foncé, 4,99€ aussi. Et là c'est le Russian Navy, alors là je vous dirais que c'est un noir violet, violet très foncé, violet bleu foncé. Je sais pas si vous verrez bien la couleur, il est violet bleu foncé. 4,99€ aussi, hein. Et c'est un grand. Donc écoutez, pour tout ça, pour tout la bouffe, tout ça, 19 et des patates, et puis les vernis, 4,99€, très très bon plan. Je suis bien contente pour une fois que dans ma magasin Nose, il y a quelque chose. Franchement, pour le coup, j'y étais pas allée, je crois que ça va faire 3 ans. Parce qu'à chaque fois, je sortais de là horrifiée par la saleté. Mais là, je vous dirais qu'écoutez, je pense que désormais... Je vais peut-être y retourner le mois prochain, pas la semaine prochaine, mais le mois prochain, voir qu'est-ce qu'ils ont en nouveauté. Ça me donne envie de retourner, après je suis allée, avant que j'y aille plus, j'y allais toutes les semaines mais il n'y avait jamais rien. Donc là je vous dirais que peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je vais y retourner, voir qu'est-ce qu'ils ont en nouveauté. Donc voilà, j'espère que ce petit haul Nose vous a plu. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.